Wir warten. Essaie de la voir! Éclaire-moi la cible! Thank you.
en bas. Essaie de la voir. Éclaire-moi la cible. Va chercher Ross, je te suis. Et Sam, ne monte pas dans l'hélicoptère. Fais-moi confiance, d'accord? Je t'en prie, fais-moi confiance. Allez. Test ces QTE.
ventrier, le cœur est très mort. Blessé, lui. Lara ! J'arriverai jamais sans toi. Pardon, Lara. Pardon. Tu y arriveras. Tu es une Croft. Ça. Tu n'as rien, Lara ? Si elle n'a rien, tout ce qui compte, c'est Lara, c'est ça ? Tu as oublié que c'est à cause d'elle qu'on est là ? Tu es injuste, Reyes. Je sais. J'aurais pas dû dire ça. Mais bon,
Ross. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire sans lui. On va lui trouver un endroit sûr et le préparer dignement. Il est mort en guerrier. Il faut lui rendre hommage. Ouais. Cette vieille vedette sur la plage. Je devrais pouvoir la réparer. On peut essayer. Ça ne sert à rien. Jamais nous ne partirons de cette île. Allez, Lara. Il faut pas dire ça. On doit se reprendre. Mettre au point un plan, tu vois? Vous ne comprenez donc pas. Aucun de vous. Quelque chose nous empêche de partir. Quelque chose? Lara, tu devrais dormir. Écoute, je suis le premier à reconnaître que j'aime bien les trucs bizarres. Mais cet endroit bat tous les records. Je ne veux pas mourir ici. Je répare ce bateau et on s'en va. Tu le sais que cette île est spéciale, Jonah. Ne dis pas le contraire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de logique à ce qui se passe ici. Je sais que tu ne te fies pas à ton instinct. Mais tu as tort. Crois en toi. On a besoin de toi. Jonah a raison. Je ne peux pas le laisser. J'ai besoin de temps. Tu sais où nous trouver. Reviens quand tu seras prête. On ne partira nulle part sans toi. De toute façon, vous pouvez pas quitter l'île. Garde ça sur toi. Ross, qu'est-ce que je vais faire? Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu croies en toi. Oui. Personne ne part. Les tempêtes... elles doivent être liées au pouvoir de la reine solaire. C'est ce qui nous empêche de partir. La chambre des rituels du monastère. Si c'est ce que les gardes protègent, alors c'est là qu'on découvrira comment arrêter les tempêtes. Une entrée secrète par la rivière. Le bateau! On va s'en servir pour remonter la rivière jusqu'à la chambre des rituels. Jonah! Reyes! C'est pas vrai! J'aurais jamais dû les laisser y aller sans moi. Je suis désolé. Tout est de ma faute. J'avais fait une promesse à ton père. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai juré de veiller sur toi, de te tenir à l'abri du danger. Et j'ai fait exactement l'inverse. Je t'ai fait courir les plus grands risques. Et maintenant, c'est toi qui veilles sur moi. Tu sais, tu es comme ton père. Il était l'homme le plus intelligent, le plus sage et le plus fort que j'ai jamais connu. Il ne renonçait jamais, quels que soient les obstacles. Je suis inquiet pour toi, mais je sais que s'il y a bien une personne qui peut survivre ici, c'est Lara Croft. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je t'ai aimé comme la fille que je n'ai jamais eue. Je suis fier de toi. Je n'arrive pas à croire qu'il n'est plus là. Plus d'histoires sur mes parents, plus de randonnées en montagne. J'aurais préféré mourir à sa place. Mais je suis là. Confiance.
Et je suis certaine qu'aucun bateau ni aucun avion nous permettra de quitter cette île. En tout cas, pas pour le moment. Imiko et ce monastère sont la clé de l'énigme. Je dois faire quelque chose. Je dois arrêter ça. Nice, maintenant on va pouvoir passer là-dessus. Et avoir également ce genre de truc. Ça va être bien. Et je pense qu'on peut pas encore améliorer grand chose là. Bon, ça s'en fusille à fond. Fusil à pépon. Oh, chasseur de reliques. Cette dague chinoise est très ancienne. Papa en avait une comme ça dans sa collection. De 854 avant Jésus-Christ. Petite dague au KLM. Qui pouvait se lancer, je suppose. Des munitions, du matos. En même temps, il y en a qui s'est craché dans le coin, forcément. Thank you.
pépon. Améliorer des trucs. La stabilité de l'arme. Yep. On peut grimper quelque part là-dessus. C'est sûr qu'il y aurait des trucs. Garde tempête, nous nous trouvons à la veille d'un grand changement. La flotte ennemie qui s'approche de nos côtes sera la dernière à tenter d'envahir notre royaume. La colère de notre reine déclenchera la plus puissante des tempêtes et nous chevaucherons les vents pour anéantir ces impies. Mais cette victoire ne sera qu'un commencement. À l'aube, quand la lumière de notre reine atteindra l'océan et les terres et que nous serons touchés par sa grâce, tous nos ennemis brûleront. Sympa. Si j'avais pas raté ma flèche. De pépons qu'il faut tuer un mec là
c'est comme qui dirait sympathique. Des loups. Comme ceux dans la forêt. Ils essayent de les dresser. Ah, c'est pas ils essayent. Depuis ce matin. On vient de regagner la plage. Le bateau est dans un sale état. Sans les bons outils, on aura du mal à le remettre en marche. On va avoir besoin d'un coup de main ici. Vois ce que tu peux faire. J'arrive. Fais bien attention à toi. On se peut tirer dessus que le truc. La corde n'est pas coupée. De quitter l'île. C'est au monastère que je la trouverai. Tu es sûre ? Oui, Sam. J'ai besoin que tu n'en parles à personne pour le moment. Je vais aider Reyes à réparer le bateau. Puis je remonterai la rivière.
Lara, ce n'est pas une bonne idée. Fais-moi confiance, c'est la seule solution. D'accord, sois prudente. Heureusement que la vie d'archéologue n'est pas si dure que ça, en vérité. C'est trop calme. Thank you.
il est vrai qu'avec le mouvement, etc. Vous savez que ça va être long. Vous savez que j'adore ces passages éclatés. Les autres ont trouvé un moyen plus facile de descendre. Ah, bon, juste là. Ouais. Ça y est. Maintenant, où sont-ils ? À grimper, c'est qu'il doit y avoir un truc au-dessus. Pas plus que ça. Seriously? Ouais, c'était ça, tout simplement. Ok, chasseur de guerre. Très bien. C'est juste un crabe. Donc si je peux récupérer des matériaux. D'arriver au point, etc. Il va rien grimper sur le conteneur. Ah.
jusqu'à... Bon. Tête. Ok, je me suis bloqué dedans. Fantastique. Et si on essaye de... Non, on peut pas gruger comme ça. Très bien. J'aurais essayé. Je sais que tu voudrais que je sois plus gentille avec Lara. Mais si je ne l'aménage pas, c'est pour une bonne raison. Notre si coûteux navire et tout son équipage se dirigent vers des eaux dangereuses uniquement sur la base de ses théories. Lara doit comprendre le poids de sa responsabilité. J'ai l'impression que tu oublies parfois qu'elle n'est pas ta fille. Personne n'aurait pris le risque de conduire l'Endurance dans le Triangle du Dragon sans une preuve tangible. Alors je voudrais savoir... Qu'est-ce qui t'a convaincu? Elle est intelligente, je te l'accorde. Et j'admets que cette expédition a du potentiel. Mais on ne monte pas une expédition sur une intuition. Tu sais comme moi que rien ne se passe jamais comme prévu. Lara n'a aucune expérience. Si les choses tournaient mal, elle en serait responsable. Peut-être que tout ira bien, mais tant que nous ne serons pas rentrés à bon port avec un tas de reliques à étudier, je serai sur son dos. Effectivement. On fait péter. Il doit y avoir quelque chose ici. Voilà. Je sens quelque chose dans cet endroit. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis l'enfance. Quand mon père était fou de colère. Que je me cachais avec mon frère et qu'il me racontait la légende de Pania des récifs. Je me souviens que j'avais l'impression que l'océan m'appelait. Je voulais m'enfuir. Me réfugier dans une mer de silence. Et aujourd'hui, je regarde ces récifs et ce sentiment me revient. Je vois la chevelure d'algues de Pania se faufiler entre les épaves. Je sens ses larmes dans les embruns. Lara a raison. Cette île est maudite. Il y a de la colère. Et cette colère nous retient. Si par malheur je devais être le seul survivant, je laisserais Pania m'emmener avec elle. J'irai rejoindre mon frère dans les vagues. Merde, je voulais passer au feu de camp. Sam, je suis là. Lara. Alex va regretter d'avoir raté ça. Oui. Où est Alex? Ah, il est retourné sur l'Endurance récupérer des outils pour Reyes. Jonah, essaie le treuil. Alors c'est notre meilleure chance, n'est-ce pas? On doit essayer. Contente que tu te joignes à nous, Lara. Comment je peux vous aider? Va aider Jonah. Ça va me péter le martelage de... On doit pouvoir le soulever en douceur, en utilisant une sorte de palan. T'as raison. On devrait pouvoir en fabriquer un avec des poulies. Il y en a peut-être dans ces cordages là-bas. Je vais aller voir. Sois prudente, Lara. Je vais voir si je peux faire marcher cette arme. Cache. J'avais dit... Ouais, je...
Bam. Et il nous reste un plus que celui-ci. Et on peut améliorer. Simplement attendre la remarque. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, sors de tête. Le voilà. De quoi? J'ai pas compris. J'ai absolument pas compris. C'est pas grave. Le voilà, mais j'ai pas compris quoi. Merde, mais c'est qui eux? On dirait qu'ils ont des flingues. J'en sais rien. Merci. Ça va être long, j'adore faire le chemin même. Tout ça pour une chute. Une chute. Le voilà. Les gens, elle s'accroche pour rien. C'est n'importe quoi. Pu.
sang du flingue. J'en sais rien. La radio est lente depuis des heures. On est complètement isolés, mon... Qu'est-ce que... Voilà. Plus rapide, ce coup-ci. Question, est-ce que par hasard... Il faut essayer... d'attendre ce qu'il y a là-haut. C'est un échec. On est bon pour retuer les deux guignols. On dirait qu'ils ont du flingue. J'en sais rien. Ah non. Était utilisé par les scribes au service de la famille royale chinoise. Il y a une petite gravure indiquant qu'il appartient à un ambassadeur impérial. Mmh. Très bien.
Alex devrait déjà être revenu. Alex ! À moi ! C'est le docteur Whitman. Gendarme ! Alex ! Combien ils sont ? Je ne sais pas. Vous êtes blessé ? J'ai vu personne. Oh, j'ai dû leur faire peur. J'ai couru comme un dératé. Et vous avez à peine transpiré ? Il faut croire que j'ai des ressources. Vous auriez pu les mener jusqu'à nous, comme vous l'avez fait au palais. Quoi ? Ça ne s'est pas passé comme ça, Lara. Ils m'ont capturé quand vous cherchez Sam. Mais de quoi vous parlez ? Ils m'ont clairement dit que c'était la condition pour vous sauver la vie. J'ai tenté de vous prévenir. On n'a pas le temps pour ça. Écoutez, je ne sais pas quel est le problème entre vous, et pour être franche, je ne veux pas le savoir. C'est un traître. J'essayais simplement bon, de... vous l'ouvrez encore, et je vous promets que je vous explose votre magnifique dentition à coups cross. Si on commence à se disputer, on est foutu. C'est vrai. On oublie ça et on passe à autre chose, d'accord? Je vais chercher Alex. Où étaient les outils ? Dans la salle des machines. Mais tu sais, Lara, Alex est un grand garçon. Tant mieux. Alors ce sera pas long. Lara, attends ! Je t'ai mis au tiens, prends cet arc. Je l'ai gardé pour toi depuis que je l'ai trouvé. Il est puissant. Ces flèches transperceront presque tout. Merci, Jonah. Et je vais peut-être pouvoir ouvrir, du coup, la... Arcapouli... Échoué de l'autre côté des falaises. Tu peux peut-être utiliser ce nouvel arc pour y parvenir. Essaie les rochers de l'autre côté du quai. Ouais, alors je voudrais juste essayer de retrouver le caillou. Je
m'approche de l'endurance. De quoi t'as besoin exactement? Alex, on se faisait un sang d'encre. J'ai besoin d'une barre de rupture et du reste de mes outils. Sinon, je peux pas réparer le bateau. D'accord, je m'en occupe. Lara se dirige vers toi. Je ferais mieux de l'attendre. Lara? Non, non, c'est pas la peine. J'y vais. Mais silence radio. Alex, qu'est-ce que tu fais? Cet objet faisait-il partie d'un ensemble de statues? Je me renseignerai si j'arrive à quitter cet endroit. Juste derrière. En théorie. Celui-ci a l'air un peu plus confortable. Ouais. Ça reste un post-tête en jaune.
tout, j'aimerais pas. Du tombeau. Encore des artefacts. T'es un peu roussi sur les bords, toi. Qu'est devenu ton propriétaire ? Il y a un nom sur l'étiquette. Millie. Ah oui. Un lapin au pays. Oh, bien, c'est un fusil. Un fusil près de lapin. Je sais pas si je reviens en arrière ou si j'avance. Faisait partie de leur laboratoire. Avait-il été envoyé ici pour enquêter sur les tempêtes ? Il y a encore du courant. Comment est-ce possible ? Il doit y avoir un moyen de traverser.
accroché quelque part. Danger. Ouais.
qu'elle allait rester sur le poteau. Elle reste pas sur le poteau. Très bien. Un dépôt de reliques d'un tombeau ancien. Qu'est-ce qu'il cherchait ? J'ai pas compris comment ça s'est fait, mais... Ok. C'est ok. Suffisamment de points. 70.
sœur. C'est cool. La reine solaire a vieilli. Bientôt, elle choisira celle qui doit lui succéder. Je crains que ce soit moi. Je suis sa favorite. L'objet de toutes ses attentions, elle me considère comme sa fille. Telle une poupée, elle me garde constamment auprès d'elle, me brosse les cheveux, m'habille de ses vêtements préférés. Je sens mon malaise grandir de jour en jour. Mais le plus étrange, c'est sa manière de me regarder. Comme on regarde son propre reflet dans un miroir. Ouais. C'est triste. Mais c'est comme ça. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Pour péter ce truc-là. Thank you.
cœur. J'ai vu qu'il y avait ce truc là encore, comme d'hab, on va pas le tirer encore. Ok, je veux pas, très bien. C'est encore mieux. Ça devrait marcher. Vas-y, essaye. On perd notre temps. Putain, combien de générateurs ça fait? Lui, il en sert à quoi d'abord? Ça me fout. On se commande, on exécute, sans poser. Oh! J'ai livré tous ces portables la semaine dernière. Qu'est-ce que tu prévois? Tu crées un stade ou quoi? Ne part pas comme ça. Reste bien stable, on le remonte. Qu'est-ce qui se passe au palais, à votre ami? C'est quoi là, toute cette fumée au-dessus de la montagne? J'ai besoin de renfort! Amenez-vous! Descendu, il doit bien y avoir quoi se refaire son stock de mule. Mm-hmm.
vivre. Rapport d'expédition. Notre base côtière a été attaquée par des assaillants inconnus. Nous soupçonnons les Américains d'avoir débarqué sur l'île pour saboter nos opérations. Les communications ont été interrompues dans toute l'île, et nous avons subi de lourdes pertes. Beaucoup de nos soldats ont tout simplement disparu. Tout le personnel restant est maintenant affecté au monastère afin de contrôler les phénomènes météorologiques. Nous nous attendons à rencontrer une forte résistance. Nous demandons des renforts d'urgence. Les grenades, je suis déjà prêt. La voilà! Tirez sur
tu veux pas monter Lara? Merde, c'est pas grave. Alex, dans quelle galère est-ce que tu allais te fourrer? Je sens que ça... C'est encore un défi à la fin. Entièrement raison. Il se passe des choses étranges ici. Le phénomène naturel qui détraque la météo, la base de recherche militaire, la reine solaire et cette secte d'illuminés. Si je l'avais pas vu de mes yeux, j'aurais cru à une mauvaise blague. À moins qu'il y ait des caméras planquées dans les arbres. En tout cas, je dois bien admettre que ça fout les jetons. Je continue à faire des blagues pour ne rien laisser paraître. Reyes va bientôt m'en coller une. Il faut que je me rende utile avant de devenir fou. J'aimerais être comme Lara. Elle est incroyable. Non seulement cette fille est brillante, mais en plus, elle assure dans l'action. Vu qu'elle m'a pas remarqué jusqu'à maintenant, c'est pas maintenant qu'elle va commencer. À moins que j'arrive à attirer son attention. Aïe, 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 aïe. Autrement dit, 1873. L'une des faces est érodée, comme si on l'avait frottée trop souvent. Peut-être le porte-bonheur d'un soldat. Le symbole du dessus, là, celui, les deux traits horizontaux, c'est deux, c'est ni. Ni scène, donc je suppose. Et du coup, ce que vous avez au-dessus, là, l'espèce de fleur en haut, au centre. C'est une fleur de chrysanthème, mais c'est le symbole de l'empereur du Japon. Voilà, c'était la petite minute d'instruction éducative. La petite minute éducative. Et merde, chaque fois je vais appuyer sur... Bouge-toi, je m'en occupe.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je dois remercier Lara pour ce boulot. Elle a toujours cru en moi. La plupart de ses amis snobs de l'université méprisent la réalisation. Ils n'ont vu en moi qu'une écervelée qui empêchait leur petite protégée de se concentrer sur ses études. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au fond d'elle-même, Lara a vraiment soif d'aventure. C'était son idée de partir en Bulgarie avec juste nos sacs à dos. Même si elle ne s'attendait pas à ce que je la traîne dans cette boîte de nuit à Sofia. Et je crois qu'aucune de nous deux ne serait partie seule en Tanzanie au printemps dernier. Mais nous y sommes allés. Deux étudiantes explorant des ruines sur la face sud du Kilimandjaro. Lara avec son carnet, moi avec ma caméra. Elle est comme ça, la vraie Lara. Aventurière, intrépide, intelligente. Et peut-être un peu moins coincée grâce à moi. J'espère que nous vivrons beaucoup d'autres aventures ensemble. Oh bah c'est bon, tu dois être servie. Au niveau aventure... Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien?
Je suis coincé là-dedans. J'ai connu mieux. La porte est bloquée. Je crois que je peux la dégager avec ce crochet. Tiens le coup. Je vais te sortir de là. T'en fais pas. Ouais. Mais traîne pas trop. Lara, le crochet est sur un rail, non ? Et merde, le rail est coincé. Il faudrait que j'arrive à grimper pour essayer de débloquer. Enfin, je t'impressionne. On va te sortir de là. Ah, oh, désolé, désolé. Bon, on dirait que ma carrière de danseur est foutue. Allez, allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous tuer. Je vais pas m'en sortir, Lara. Prends les outils. Je ne pars pas sans toi. Hey, c'est pas tous les jours qu'on peut mourir en héros. Les autres sont toujours. Vas-y. Et Ross. Maintenant Alex.
certain le nombre de gens qui se suicident. Ah, non, c'était pas prévu. Voilà, ben voilà. En plus, il y a Lara qui se suicide maintenant. C'est beau. Je sais plus, j'avais un point de... Point de compétence, ouais. Là, c'était tout. Un vieux journal. Exactement. Rapport d'expédition. Après plusieurs mois de recherche, nous avons pu réunir des informations sur les phénomènes météorologiques de l'île. Le tombeau d'un important général datant de la période Kamakura a été découvert sur le site de fouilles près de la côte. Cette découverte est la pièce manquante du puzzle. Elle va nous permettre de prendre le contrôle des tempêtes. Mais les fouilles ont alerté Léonie. Ils sont en colère. Nous devons accéder au monastère, à la chambre des rituels. C'est là que tout va se jouer. Des ruines dans la vieille base. Contrôler les tempêtes. Il me faut des réponses. Ça pour aller chercher une relique et des matériaux. Hop là. Heureusement qu'on a dit qu'on faisait pas le jeu à 100%. C'est une Tenpo Tsuro. Difficile de lire la date, mais le Japon en a produit des milliers au milieu du 19e siècle. Ok. Une jolie pièce. Moi, je pensais que vu que ça brillait, mais en fait, c'est juste la luminosité. Là par contre, je vous cache. T'es gentil Lara, tu peux bien passer là. Ça s'arrête pas. Ok. Mais... Relique.
portugais frappait ses pièces au XVIe siècle pour leur colonie de Malacca, un état actuel de la Malaisie. Elle doit provenir d'une des épaves de galions échouées sur l'île. Mmh. Elle est vraiment frappée. On dirait qu'elle a été coulée, celle-là. Elle nous frappait même. Ah, c'est possible que ça soit un métal coulé puis frappé. Ah, je suis léger au cache. Ce serait si long encore au niveau du jeu. Lara. En entendant l'explosion, on a cru. Alex ? Il était encore à bord. On dirait que ceux qui t'approchent te trouveraient ont toutes les chances d'y passer. Eh ben, garde tes distances. On va d'abord manger un peu. Ces salopards nous fichent la paix, mais ça risque de pas durer bien longtemps. Quitte à mourir sur cette île, autant mourir le ventre plein. Pour retrouver le moral, y a pas mieux. Enfin, quelque chose de positif.
Quand Reyes aura réparé le bateau, nous retournerons à la civilisation en un rien de temps. Alors, nous aurons des choses à raconter. Tu parles. Je ne veux plus jamais entendre parler de Himiko. On peut sortir le bateau à marée haute. Non, on ne peut pas. Recommence pas avec ces conneries, Lara. Lara n'est pas la seule à penser que nous sommes pris au piège. Mathias était peut-être fou, mais il en était convaincu. Je l'ai vu dans ses yeux. Il croit que la résurrection de Himiko lui permettra de quitter cette île. Oh, ça n'a pas de sens. Rien sur cette île n'a de sens. Ces tempêtes ne sont pas naturelles. Personne ne peut nier ça. Elle a raison. Quand l'Endurance a été pris dans la tempête, je l'ai ressenti. C'était vivant. Cet endroit est maudit. Où est-ce que tu vas ? Aux ruines derrière la vieille base, sur les falaises. Quelque chose leur a fait croire qu'ils pouvaient contrôler les tempêtes. Il faut que je sache ce qu'ils ont découvert. On partira dès qu'on sera prêt. Que tu sois là ou pas. Je ne pars pas sans toi. Les divergences. Au sein du groupe. Stella. Je me disais merde, je vois pas le chemin. Allez. Maintenant c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'avance pas dans le scénar, c'est que je fais tous les tombeaux que je trouve. Merde, et que je suis mauvais au tir à l'heure. Temple des cerfs. Cette grotte a servi de lieu de culte. Si je veux accéder à la chambre des rituels du monastère, il faut réparer ce bateau. Mmh.
Cet endroit pour stocker de la nourriture. J'ai réussi. Moule de galère. Je peux qu'il aurait fait 23h49.
direction la plage des épaves. Non, j'en ai pas tiré par erreur. De l'endurance. C'est tragique. Mais j'avoue que cela renforce le côté dramatique. Le royaume mythique du Yamadai, les épaves et cette secte.
Oh, il y a de la matière pour au moins deux documentaires. Peut-être même une série. Seigneur, cet endroit va fasciner les téléspectateurs du monde entier. Et je serai au cœur de tout cela. Oh, quel soulagement. J'avais tout misé sur ce voyage. Mais je dois rester prudent. La situation peut dégénérer à tout moment. Je dois réussir à convaincre ce Mathias qu'il a tout à gagner s'il coopère. Je ne pense pas qu'il croie à toutes ces histoires qu'il raconte à ses hommes. Ce ne sont que de pauvres âmes perdues. Je l'aiderai à les ramener à la civilisation. Les annonceurs vont se battre pour avoir l'exclusivité. Cette histoire est énorme. Je savais que c'était un traître. C'était sûr. En même temps, c'était sûr.
Effectivement. Ça a l'air. Après la découverte du tombeau, les Oni sont apparus. D'abord, les lumières se sont éteintes. Et puis, les hurlements ont commencé. Ce bruit abominable résonne encore dans mon esprit. Ils portaient les armures de mes ancêtres et nous attaquaient avec leurs épées. Des coups de feu, des cris, du sang. Nous n'avons rien pu faire pour les arrêter. Nous étions plongés dans le chaos. Puis, le silence. Ils étaient partis. Mais pourquoi sont-ils partis? Pourquoi ne nous ont-ils pas tués? Le capitaine Osaka a pris le commandement. Nous quittons la base, mais pas l'île. Nous avançons dans les terres, vers le monastère. Nous n'avons pas le choix. Nous devons suivre Léonie. Puisque nous ne pouvons pas contrôler l'étoile, nous devons la détruire. Mais je sais que nous allons tous mourir. Reste là, je vais voir.
par ici. Elle nous tire dessus. Vas-y, ramène-toi, mon gars. Le tombeau doit se trouver dans les niveaux inférieurs. Oh, non, il est bloqué. Ça, je vais mourir. Voilà, c'était sûr. Mais c'était sûr en fait. Le tombeau doit se trouver dans les niveaux inférieurs. Oh, non, il est bloqué. Commandement à agent de terrain. Stop. Trinity mécontent de l'absence de progrès. Stop. Acquisition du phénomène étoile impérative. Stop. Envoi d'un nouvel agent pour assurer succès de la mission. Stop. Ils sont bien les télégrammes. Débile.
Encore trois de plus, et mon charge tombera. Sérieusement. J'ai pas vu ça la dernière fois. Ouais, c'est juste histoire de récupérer quoi. C'est de la merde. Mais... partout à 10. Encore trois de plus, et mon charge tombera. Faudrait monter plus haut encore. Est-ce qu'on peut monter plus haut? J'ai cru que j'allais mourir. Thank you.
potentiellement je l'ai. Ok. C'est dommage de s'arrêter là maintenant. C'est plus haut. Encore deux. Le problème, c'est que tu peux pas... Et le monte-charge sera dégagé. Ok, mais il est de ce côté-là. Il faut le mettre au quatrième. Ok. Ok, ok. Bon, finalement, ça se passe bien. Ça a été un peu long, mais...
Allez. Les mecs, il y a un ascenseur, un monte de charge qui s'écroule, ils n'en ont rien pété. Il est où le deuxième? Allez, poulou. Des guerriers. Ils étaient dans le tombeau de la reine. Ils la protégeaient. Et ça, c'est toi. Tu étais une sorte de général. Tu t'es fait seppuku. Pourquoi ? Tétanos. J'ai déshonoré ma reine. Le rituel a été corrompu. La prêtresse savait que seule la mort la sauverait et a donné sa vie. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. Sa rage provoque les tempêtes et ne s'arrêtera que lorsque son âme quittera cette terre. Mes gardes-tempêtes ont juré de la protéger. Ils devront sans moi. Son âme reste prisonnière d'un corps sans vie. Voilà d'où viennent les tempêtes. Pour arrêter ça, il faut détruire le corps dans la chambre des rituels. Il faut que j'arrive à convaincre les autres. Alors je vais juste faire un petit point. Parce que son armure... Merde ! J'ai pas intérêt à traîner ici.
adapté à la période.
Et je vais où là? Tu es blessé. Merci. Merci. Cette fois, j'ai cru que c'était la fin. J'ai vu personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Whitman. Il a emmené Sam pendant l'attaque. Il va sûrement la ramener à Mathias. C'est notre faute. Enfin, c'est ma faute. Alors on fait quoi? On peut prendre le bateau et chercher de l'aide. Eux aussi. Tu avais raison. Tu as vu les tempêtes, le bateau qui s'approche. Des scientifiques qui étaient là pendant la guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère. Je n'ai pas toutes les réponses, mais l'enjeu est lié à tout ça. Et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi, on... comme les pilotes. Et comme Ross. Je sais pas. On ne peut pas retourner à Ress. C'est du suicide. Ce n'est pas là qu'ils vont. Ils vont l'emmener à la chambre des rituels. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher. Écoute, je sais bien que tu veux retrouver ta fille. Je comprends. Mais le combat n'est pas fini. Je ne te demande pas de me croire, Reyes. Je veux que tu me fasses confiance. Ok. On va mettre ça à l'eau. Ok, Lara. Dès que tu sais... Un petit feu de camp, non ? Eh bien, la laisser. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée, une très bonne journée si vous regardez ça sur YouTube. Et là-dessus, je vous dis à ciao, à plus, à ciao, bye bye.